Allez, go, après une petite pause café, je vais retenter la machine à souris of Egypt. Pareil, c'est un jeu, ça fait plusieurs mois que j'ai pas joué. Alors, bah, il nous reste 999, je pense que là on va être plutôt mal barré. Allez, des mises à 20, ça ira. Je sais pas si on va pouvoir faire une remontée avec ce jeu, ce serait quand même miraculeux. Alors un beau win, un beau multiplicateur, ça pourrait être réglé pour faire une remontée, mais faut être réaliste, c'est plutôt rare. Alors x2,40. Alors big bonus, ça peut être intéressant. Espérons que ça rack, space pyramide bonus. Allez go. Alors le x100, le x200. Alors qu'est-ce qui va me sortir? Non, pas le x5, le x10 non plus. Alors x30. Je veux pas sélectionner la pyramide du haut, non? Oh, quand même, il a sélectionné celle du haut. Alors, je pensais pas qu'il allait la sélectionner. 1 fois 1000. Va m'escroquer. Non, x 1000. Bordel à chiottes, mais attends, là. Ok, finale offert 1045. Bon, voilà, je pense que j'achète. Alors, Divine Win, bah tu m'étonnes. Et ben voilà, là franchement, voilà. Le miracle. Il m'a filé le x 1000. Alors, x 1000 combien? 20 fois 1000. Et ben voilà, 20 fois 1000 de chiottes. Moi qui étais persuadé de me faire torcher sur une mise à 20 balles. Hein, sur une mise. Ah, 20 balles, ok. Ah ben là, du coup, j'étais persuadé que ça allait se terminer à 0, d'accord. Voilà, franchement, il m'a scotché. Le bonus, il a raqué le x 1000. Le truc bah, qui sort jamais, que les joueurs gagnent jamais, là, comme quoi. Je me disais, non, c'est pas 1000 fois 20, c'est 20 divisé par les lignes. Ça doit faire 1 euro fois. Enfin. Ok, du coup, on va se calmer. Bon, je vais. Enfin, je vais rester un petit peu sur cette machine à sous, mais quand même, là, je pense qu'après ça, ce sera demande de retrait partiel. Ben cool, une victoire de plus sur un casino après quelques torchades, c'est quand même pas mal. Donc, qu'il y ait des victoires. Alors, les mises maxi, c'est 20, c'est dommage. Là, j'aurais enquêté des mises à 100 balles. Ok, 20 900. Là, franchement, de voir ça, c'est beau. Hein. Voilà, ça m'a troué le derche sans déconner. 20 000 balles de win, le x 1000, le truc qui sort jamais. Ok, on va se calmer, on va se remettre les neurones en place. J'étais sûr qu'il allait me faire un tour de passe-passe, me montrer le x 1000. Hop, la pyramide allait se tourner, il allait me filer le x 100. Bon, le x 100, ça aurait fait 2 000 balles. J'aurais pas craché dessus, mais là, quand même, 20 000, le x 1000. Ouais, comme quoi, des fois, des machines à sous qui payent pas trop de mine, le truc, ça rack. Alors, x2. Alors, un petit deuxième round de bonus, ça pourrait être éventuellement intéressant. Bon, bah, en tout cas, après cette partie, on va faire un petit plumage pour le casino, petit retrait partiel quand même. Bon, j'ai un peu trop l'habitude de mettre taper des gros wins, puis de tout mettre fait rebouffer par la suite par les jeux suivants, donc faut me récupérer un peu. En tout cas là le truc il m'a scotché, ça m'a laissé sur le cul. Le x 1000, le x 1000. X 1000 avec des mises à 20 balles. Ok. Bon, on va se calmer quand même. On va se mettre les neurones en place. Un petit troisième. Oh! Alors, alors, on va voir. Ça y est, là. Je
commence à avoir les neurones retournés. Hey, copain avec le x 1000, le copain, il est là, là, voilà, on le voit. Alors, qu'est-ce qui va me sortir? Le x5, je le sens bien. Alors, le x50. Allez, 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 allez. Allez, file-moi la Big Pyramide, la Big Mama, là. Elle est là, elle est là. Eh ben non, dommage. Le x15... Non, on va faire une nouvelle offre, hein, quand même. Allez, nouvelle offre. On veut la Big Mama en haut. Bon, celle-là, elle doit pas sortir souvent sur le show aléatoire de tous ces montants. Alors, dernière chance, dernière chance. Alors, est-ce que j'ai le droit à une nouvelle offre? Ben ouais. Moi, je veux la Big Mama là-haut. Alors, on va mater. 2x5, le pire. Allez, vas-y, monte en haut. Final offer, 80 balles. Ben ouais, j'ai plus le droit de... Je demandais une autre offre. Alors, 80 x 20 quand même. 600 balles, hein. Ok. Apparemment, le bonus sur le Rise of Egypt, ça rigole pas trop. Bon, bah, du coup, 23 000 balles. Alors, peut-être qu'entre temps, on va se gagner un troisième round de bonus, ne sait-on jamais. C'est clair que 20 balles la mise avec les multiplicateurs, ça paye en conséquence. Bon, bah si toutes les parties de machine à sous pouvaient être comme ça, ce serait top. Mais bon, faut quand même être réaliste. La plupart du temps, on perd. Là par exemple sur ce jeu c'est largement gagnant, mais combien d'autres joueurs ont perdu? C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Alors, en tant que joueur, des fois on a la chance d'être le grand gagnant, mais très souvent on a aussi la malchance du perdant. Enfin, je préfère préciser ça car beaucoup de gens voient une vidéo comme ça pour éventuellement penser que c'est très facile de gagner, mais faut se faire un petit retour à la réalité, c'est pas si facile que ça, c'est plutôt rare. Comme je disais, il y a un gros gagnant pour plusieurs perdants derrière. Alors, c'est quand même dommage que les mises maxi ne sont pas 50 ou 100 balles. Là, ça m'aurait tenté d'envoyer tout ça. Alors, go pour un troisième round de bonus. Là pourtant j'aurais parié à 99,9% de chance que ça allait se terminer à zéro sur cette partie. Donc, comme quoi des fois on a des belles surprises. Alors, 2x3. Il allait me reprendre le symbole bonus. Alors on a le bonus, en plus on a les free spin. Hop, c'est vrai que ce symbole là on le voit pas souvent. On l'a pas encore vu même, si mes souvenirs sont bons. Bon, après ça sera post-neuronal, post-cardiaque avec un quadruple expresso. Un petit Xanax et du Tranxène dilué dedans, pourquoi pas, non je rigole. Alors x3 120. Et un petit troisième round de bonus, ce serait pas mal.
bonus trigger bonus game. Ce serait sympa qu'il nous le montre. Alors balance 22 855. Je pense que je vais rester encore un petit moment sur ce jeu, mais je pense que je vais pas tarder à lâcher l'affaire. Bon bah c'est cool quand même, parce que précédemment j'avais eu de longues séries de... Enfin, ça enchaînait torchade sur torchade, donc là ça renverse un peu la situation. x3, allez 60 balles. Moi je me taperais bien 3ème round de bonus avant d'arrêter la partie, mais bon ça c'est pas moi qui décide. Ah, le retour des victoires sur les casinos. Ça fait plaisir après avoir enquillé torchade sur torchade. Le retour de la chance. Alors on stagne à 22 600 depuis un bon moment. Un petit arrêt de rouleau manuel. Un petit arrêt sur le symbole bonus, non? Bon ben je pense qu'il a filé son élan de générosité, puis là... Il semblerait qu'il file plus rien. Alors 22 267, bon de toute façon je pense pas que je passerai en dessous des 22 000. Ça fera un arrêt de partie avant. Oh. J'ai cru qu'il allait nous filer le joli symbole bonus. Un petit x2. Alors balance 22 187. Bon ben j'aurais pas eu mon troisième round de bonus, mais bon quand même je vais pas me plaindre vu que le premier il a raqué le x1000. Ouais, symbole free spin qu'on a vu passer ici. Alors 20 027, allez dernier spin. Allez, 1 x 3, hop. De toute façon je me fixe une limite à 22 000 donc... Dommage, dommage, dommage.
2215 de balance. Alors, à part le bonus, il y a également les free spins. Alors, il n'a pas l'air chaud pour nous pondre le joli symbole. Alors, balance 2055, 22055. Alors, un spin à 10, hop. Ça peut en rester là. Eh ben dommage. Ok, bah du coup on en reste là. Quand même jolie performance. 22 000 balles. Là franchement c'est clair que le x 1000 ça a raqué de chez raqué. Et ouais, 20 x 1000. Là franchement je n'attendais pas à ça. Bon bah du coup arrête partie. Éventuellement peut-être que je reprendrai en fin d'après-midi ou demain. Je pense plutôt demain. Donc là quand même je vais me reposer un petit peu les neurones. Mais bon, quand même, sacré coup de bol. Bon, je tiens quand même à rappeler que c'est un gros coup de chance, qu'on peut pas tout le temps gagner avec ce genre de jeu. C'est là, par exemple, je suis le gagnant, mais derrière moi, il y a pas mal de perdants. Donc, faut méditer là-dessus. Faut pas penser qu'on peut gagner très facilement avec ce genre de jeu. Généralement, on se fait torcher. Hein. C'est clair que sur une grande majorité de joueurs, il y a peu de gagnants. La plupart se font torcher. Faut pas penser que c'est facile de gagner de la pépette avec ces jeux de machines à sous. Bon, bah, sur ce, fin de partie. La bise à tous et rendez-vous très prochainement. Allez, ciao tout le monde!